Her Brother du Monde a Bello, Episode 11, Le Brésil. Nous sommes à Rio de Janeiro. Magnifique spot, magnifique ville. C'est ici que notre maman nous a retrouvés. C'est la raison pour laquelle nous avons pris un avion de Recife jusqu'à Rio pour qu'on puisse arriver à l'heure pour voir notre mère avant les fêtes de fin d'année. C'est une autre fatigue, une fatigue qu'on connaissait pas. C'est la mère qui remet en forme ses fils. On va enfin pouvoir se reposer. Bisous, ma petite mère, bon voyage. Bonjour Noël. Nous avons retrouvé Denis, qui a fait les 5 premiers jours du périple de ce tour du monde, de Paris à Mortagne-au-Perche. Du coup, il nous retrouve ici, au Brésil. Il a pris l'avion depuis Paris. Denis. Le Brésil. Maintenant, direction l'Uruguay, direction l'Argentine. Il fait chaud, mais chaud! Oh là 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 là, je pense qu'il fait même un peu plus chaud que ce qu'on a pu avoir en Afrique, puisqu'ici, il y a un taux d'humidité hyper fort. Après, l'avantage ici, c'est quand même qu'il y a pas mal d'ombre. Ça, c'est pas négligeable, ça refroidit déjà rien que le goudron, ça évite la réverbération, et ça fait du bien. Mais bon, il fait chaud. Première pente, 100 mètres de dénivelé positif, avec des côtes à 20%. Deuxième pente, 200. Troisième pente, 300. Et là, on n'a pas de bande d'arrêt d'urgence, donc on frôle les voitures, les camions. Il fait 35-36. C'était dur au Sahara. Là, c'est vrai que, dis donc, Sahara, c'était un peu plus plat, quoi. Il fait super chaud. C'est très pentu. On est bientôt en haut, il reste 1 km de côte. Ça remonte, je crois, juste après, non? Merci. Ça va nous faire du bien, ça! Ah, c'est mon panneau préféré! De toute l'aventure, c'est celui-là! Ah, la pire faute de ma vie! Pour tout le monde, je crois! Là, on prend cher. Hein. On n'arrive pas à avancer. Enfin, c'est très dur. Et peut-être pour une des premières fois, j'ai vraiment eu peur pour nous. La grosse montée, c'était vraiment pas drôle. Tout était dangereux.
la route, la météo, puis la côte, c'était par moments à 20%, t'as le cœur qui est à fond, c'était vraiment pas drôle. Hein. Mmh. Hein? Je sais pas, je... Ah ouais, demande-lui s'il fait les qualités. Je sais pas, mais c'est cool. Je sens que ça va être bien. Première pluie tropicale, c'était ouais, trop bien, génial, c'était le meilleur moment, la bonne douche, là c'est stylé, la première grosse pluie de l'aventure et on est content, il fait frais, c'est calme, on reprend la route. Ça y est, nous quittons Florianopolis, nous quittons Maria, qui nous a accueillis comme des petits princes dans sa maison. Du coup, on repart avec beaucoup de nourriture, puisque Maria voulait nous céder énormément de nourriture, donc du melon, une mangue, des bananes. Maintenant, c'est reparti. Nous allons rejoindre trois autres tours du mondiste. Donc il y en a deux amis et un autre qui fait ça en solo. Donc ça va être chouette de les rencontrer.